Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La Vie en Vosges, cette semaine consacrée à la magie, au cinéma, à la télévision et au petit écran. On en parle avec nos deux invités qui ont beaucoup de points en commun finalement. Clément Demangel est bien connu pour ses talents de magicien. Il est à l'initiative notamment du Festival international de magie à Tarmont-les-Vosges depuis quelques années. Le magicien professionnel a également une autre passion, le cinéma, le petit écran et les films. Sur son CV, beaucoup de passages en tant que figurant, tout comme Denis Bastien, le vitellois que l'on connaît aussi pour son passage dans l'émission Pékin Express. Et figurez-vous que Denis aime aussi la magie. Et bah, portrait de nos deux invités tout de suite. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Alors Clément, je vais commencer avec vous. La magie d'un côté, le cinéma, la télévision de l'autre. Vous n'avez jamais voulu franchir le pas et devenir acteur finalement? Écoutez, c'est la question que je me pose depuis quelques temps maintenant. Mais j'ai déjà commencé à faire quelques démarches. Faire quelques stages de comédie, de théâtre. Et en l'occurrence, les cours Florent. Voilà. C'est en cours. Donc, peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, on vous réinvitera en tant qu'acteur professionnel. Alors. J'espère. Denis, alors vous étiez restaurateur, hôtelier-restaurateur, mais vous avez toujours eu cette appétence pour la télévision, pour le cinéma. Oui. C'est-à-dire maintenant que j'ai fait un métier bien rempli, parce qu'il y a longtemps que j'ai fait, ma première figuration, je l'ai fait en 1981. Ah, c'était un film moment. Avec Miu Miu et Claude Brasseur. Et là, on me voit à plusieurs reprises. Après, j'ai laissé tomber, j'ai pris mon métier. Maintenant que je suis en retraite, on va dire, donc je fais de la figuration. J'ai une vingtaine de films, mais je tourne beaucoup au Luxembourg, moi. D'accord. Donc les films qui sont dans les Vosges, bien sûr, je postule. J'en ai tourné quelques-uns. Il y en a, on n'est pas pris parce qu'on n'a pas le profil. Donc avec profil, Clément, je ne suis pas un concurrent parce qu'on n'a pas le même profil. Non. Non. Clément confirme, vous n'avez pas le même profil. Alors, on le disait tout à l'heure, finalement, la magie, c'est quand même une évidence pour vous. Vous bien avez sûr. toujours fait ça. Mais comment on devient magicien, alors? Comment on devient magicien? Beaucoup de, j'ai envie de dire, beaucoup de travail, c'est comme tout. Beaucoup de persévérance. Il faut s'entraîner. Il faut se donner les moyens, c'est comme dans tous les domaines. Et puis, il suffit de croire un petit peu à son destin, à son étoile, et on finit par y arriver. Est-ce que c'est autant difficile peut-être de dire quand on est petit « je veux être magicien » que « je veux être acteur » finalement? Je pense que les deux, ça doit être pareil. Parce que si on prend un métier ordinaire, c'est plus simple. Mais que ce soit le métier d'acteur ou le métier de magicien, c'est forcément difficile au départ. C'est un peu les métiers qui font rêver peut-être quand on est gamin. Rêver quand on est gamin, qui font un peu plus peur quand on est adulte. Mais non, franchement, ce sont de beaux métiers. Ce sont de beaux métiers, on est d'accord. Vous n'avez jamais voulu devenir magicien professionnel, en faire vraiment votre métier? Ça a toujours été une passion, Denis, pour vous? Ah, la passion depuis tout petit, oui, donc ça fait déjà un petit moment. J'adore la magie, mais moi, c'est plutôt de la magie de scène que je fais. Donc, j'ai fait des spectacles en magie de scène avec des colombes, des choses comme ça. Et donc, ce qui est important, c'est quand on voit les gens qui sont contents du spectacle qu'on a fait, on me dit, t'as pas à rougir devant d'autres magiciens, parce que Clément, lui, il est plutôt spécialisé dans la manipulation. Moi, j'ai des partenaires avec moi et j'adore. Mais c'est du travail aussi. Des lévitations aussi. Des lévitations, oui. Il y a plusieurs types de magie, finalement, en fait. J'imagine qu'il y a de la magie plus spectaculaire, peut-être. Il y a la grande illusion, il y a du close-up, c'est de la magie, on va dire, plus avec des tours de cartes. Donc, il y a de la micro-magie avec des tout petits tours. Enfin, il y a plusieurs catégories, oui. Il y en a pour tout le monde. Et puis avec les nouvelles technologies, c'est pareil. Oui, c'est vrai que ça se développe beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de... Moi, personnellement, non. Voilà, vous restez à la magie plus traditionnelle. Je reste sur les jeux de cartes, sur le traditionnel. Ouais. Et moi, la magie de scène. La magie de scène, ouais. Chacun, il y en a pour tout le monde. Alors, on va parler maintenant de votre autre côté, de votre autre passion, les films. Mais avant ça, je vous propose qu'on regarde un reportage. C'était en octobre 2018 à Plombières-les-Bains. On en reparle juste après. Le reportage est signé Anaïs Gall et Hélène Leplat. Lorsque le parc de Plombières-les-Bains se transforme en plateau de cinéma, voilà le résultat. Les lombrics, ce sont les intestins de la Terre. Une scène tournée ce mardi matin avec une partie de l'équipe, le long métrage baptisé temporairement Perdri, raconte l'histoire d'une famille soudée, bouleversée par l'arrivée soudaine d'une jeune femme. Comme décor pour créer son univers, le réalisateur Erwan Leduc s'est tourné vers les Vosges. Il est écrit pour se tourner dans les Vosges depuis le début. Moi, ma mère est vosgienne, en fait, c'est pour ça. Elle vient de Saulsure sur Moselotte et moi, je suis
toujours venu en vacances quand j'étais gamin dans la région. Et c'est resté, quoi. Et j'avais envie de filmer les montagnes, j'avais envie de filmer les forêts, j'avais envie de filmer l'espace ici, quoi. C'est lié à des souvenirs d'enfance. Et puis, je trouve aussi que c'est des endroits, c'est des territoires où il y a... Moi, j'y vois du cinéma. Quand je suis arrivé à Plombières la première fois, tout de suite, j'avais l'impression d'être dans un décor et j'avais envie d'installer le film ici, ouais. Dans le rôle principal, Swann Harlow, César 2018 du meilleur acteur dans Petit Paysan, un film qui avait également été tourné dans le Grand Est. Moi, j'ai fait mes études à Strasbourg, je passais 5 ans à Strasbourg, donc je suis toujours content de venir dans le coin. Et puis je les connais un peu maintenant, les gens qui travaillent pour la région et tout ça. Donc je suis toujours ravi de venir là. Ouais. Parmi le casting, des figurants femmes, hommes et enfants, tous originaires du coin, qui vivent ici leur première expérience d'acteur. C'est une première fois, alors t'es impressionné, c'est normal. C'est comme d'aller à un parc d'attractions pour la première fois, c'est pareil. C'est quand même compliqué parce qu'il faut être concentré. Tu veux devenir actrice plus tard ? Je sais pas. Ça t'a donné envie en tout cas ? Oui. On voit la pression, l'excitation peut-être aussi chez ces enfants. Vos premiers tournages, est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que dans quel état d'esprit vous étiez, Clément ? Moi, je m'en souviens, c'était dans le film Nos Patriotes, qui avait été tourné en 2016, je crois, dans une partie dans les Vosges et en Haute-Saône. Là, c'était la toute première fois, et c'est vrai qu'il y avait une certaine excitation, parce qu'il y avait le casting avant, il y avait l'essayage des costumes, et une fois sur place, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'attentes, mais il y avait un petit stress, une petite excitation, en effet, sur ce tournage. Est-ce que vous souvenez du premier ? Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Mais... Avec Mimi au Claude Brasseur. Et moi, j'ai tourné aussi dans Nos Patriotes. Et ce qui était intéressant, on n'était que 3 figurants. Alors là, on a un contact beaucoup plus proche avec les acteurs, avec Louane, en l'occurrence. J'avais tourné à Nancy, moi. Et quand il y a une vingtaine, une trentaine, 40 même figurants, on a moins de contact. Et là, quand on n'est que 3 figurants, il y avait un contact avec Louane qui était très intéressant. Moi, je m'en souviens, mais je ne pense pas qu'elle s'en souvienne. On ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a à chaque tournage une petite appréhension, une petite excitation de bien remplir sa mission, peut-être, Denis, de bien coller à ce qu'on vous a demandé ? Ah oui, et puis aussi, on espère toujours avoir un gros plan. C'est ce que j'ai eu dans De Gaulle. Moi, alors là, c'était formidable. On n'est pas payé plus, hein, mais on a envie d'une réplique. Également, comme d'autres rêves d'Amérique, comme dirait la chanson de Michel Sardou, le figurant, j'invite les téléspectateurs à écouter cette chanson, ça nous correspond complètement, le figurant de Michel Sardou. Donc voilà, vous aussi, cette appréhension à chaque fois, l'excitation Bien sûr, et puis il y a, comme tu disais, il y a le fait de se dire, est-ce qu'on va avoir un gros plan ? Il y a des fois une petite bataille pour les habitués de figurants, de figuration, parce que souvent c'est les mêmes. On retrouve les mêmes sur les plateaux de tournage. Il y a toujours une petite guéguerre, mais c'est gentil de se dire, oui. Je veux être le premier, je veux être là, parce qu'on sait qu'à certains endroits, on peut être mieux vu. Plus stratégique. Plus stratégique, ouais, c'est... Oui, mais si on n'est pas trop vu, ça nous permet également de tourner plusieurs jours, parce que le fait que vous avez eu un gros plan, bah, le lendemain, vous n'allez pas tourner dans une autre scène. Hein. Donc, moi, j'ai tourné presque une semaine avec De Gaulle, puisque j'ai tourné à Nancy et j'ai tourné à Épernay. Ah oui, alors aussi, ce que dans la figuration, il y avait donc Francis Huster, avec qui on a un contact très proche parce qu'il avait pas beaucoup de dialogue. Et je pense que l'acteur qui a beaucoup de dialogue à ce moment-là, il se concentre. Il est concentré davantage sur son concentré, texte. Concentré, donc on a moins de rapport avec lui. Mais on est les deux sur la même scène avec Francis Huster. C'était à Nancy, tourné à Place Stanislas, oui. Dans De Gaulle. Ouais, moi, j'étais ministre. On était les deux ministres. On a l'image, on voit l'image au moment où vous parlez, justement. Oui. On vous voit tous les deux. Avec Samuel Labarthe en De Gaulle. Oui. C'est quand même voilà, des bons souvenirs, je pense. Que des bons moments. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît, finalement, dans ce milieu d'être figurant ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Pourquoi vous avez voulu faire ça ? Ben, c'est pas toujours le fait qu'on va se voir, parce que souvent, on est déguisé. Si c'est des films d'époque, moi, je tourne beaucoup au Luxembourg, et là, on a des films d'époque. Même moi, je ne sais pas si je me reconnaîtrais, parce qu'il y a des faux, des fonds. Donc, je me retrouve dans une gare à Vienne. Hein, et si ça se trouve, je ne me reconnaîtrais même pas, parce qu'il y a beaucoup de films que j'ai tournés également, que je ne sais plus les titres. Ben, je n'ai tourné une vingtaine. et donc, la question, c'était quoi ? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être figurant ? Ben, parce que... Ben,
Avec le Covid, c'était un peu moins sympa parce qu'on mangeait... Puis il faut occuper tes journées, comme t'es en retraite. je les occupe bien, mes journées. Il paraît que les retraités ont souvent du mal à caser des choses. Hein. C'est plus compliqué qu'en la retraite. Clément, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le fait d'être figurant de... Moi, j'aime bien, c'est l'envers du décor. C'est l'envers du décor. Oui, ouais. Déjà de rencontrer les gens, et puis surtout, comme je dis, oui, l'envers du décor, parce qu'il y a tellement de monde qui travaille derrière un film, donc on voit tout de l'installation, enfin du matin à l'arrivée, mettre les costumes, le maquillage, jusqu'au plateau de tournage, et puis il y a beaucoup d'attentes. Ça c'est une... ça tient en trois mots, c'est patience. C'est-à-dire, on peut tourner juste une scène qui va durer peut-être 20 secondes dans le film, mais qui va nous prendre toute la journée de 5h du matin jusqu'à 18h, et qui sera peut-être coupé au montage. En plus, on sent qu'il y a un peu de frustration, là, quand même. Je crois qu'il y a certaines scènes qui ont été coupées au montage. Est-ce qu'il y a un tournage qui vous a particulièrement marqué, Clément ? Le film La Place d'une Autre, qui est tout récent, qui est sorti là début janvier au cinéma. La Place d'une Autre, un film d'Aurélia Georges. Pourquoi plus ce film ? Parce qu'en fait, j'ai eu la chance de ne pas être uniquement figurant, mais de devenir silhouette. Parce que dans les films, il y a plusieurs catégories. C'est soit vous êtes figurant, vous passez, vous êtes un passant, ouais, tout simplement. Ou soit vous avez, on va dire, le statut de silhouette, où là, on va vous voir mieux à l'écran. Et c'est mieux payé. C'est mieux payé, certes, mais on vous voit mieux à l'écran. Vous pouvez être silhouette parlante, vous pouvez avoir un dialogue. D'accord. Et moi, j'ai eu la chance sur La Place d'une Autre, c'est-à-dire que celui qui devait venir, la silhouette, n'est pas venu. Donc, ils m'ont pris pour être la silhouette. Et j'apparais tout au début du film, pour ceux qui ont vu le film La Place d'une Autre. Il y a un soldat qui est blessé dans la forêt, ben, c'est moi. Voilà. Ça va, tout va bien aujourd'hui. Tout va bien. Ouais, et puis il faut se mettre bien dans la peau du personnage. Ça doit pas être facile quand même, j'imagine, au début. Même si on est entre guillemets que figurant, il y a quand même un rôle à jouer. Parce qu'on nous dit pas tout. On nous dit faut faire le mort ou faut faire l'agonisant. Donc faut jouer un petit peu la comédie. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça que j'aime bien. Là, le rôle que j'avais, j'étais blessé, j'avais du sang partout, j'étais dans la forêt. Il faisait en plus froid. C'était tourné au mois de novembre. Voilà, fallait pendant toute une demi-journée faire le blessé. Quoi. Le blessé. Ouais, parce qu'il faut la répéter des dizaines de fois la scène. Ouais. Après, on l'a fait sur l'instant. Enfin, voilà, j'imagine qu'on l'a fait une dizaine de fois, oui. Alors il a été silhouette, mais moi, j'ai également été un petit peu acteur, parce que j'ai joué dans Macumba et j'avais le rôle principal. C'était un court-métrage. Un court-métrage, d'accord. Macumba, oui. Ils n'ont pas coupé, montage. Non. Moi, je crois que je m'en vais, là. Alors, pour les téléspectateurs qui souhaiteraient aussi devenir figurant, comment ça se passe ? Donc, il y a des annonces qui sont postées, des fois, sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux, sur la presse locale, c'est relayé. C'est beaucoup relayé. Oui, est-ce qu'on s'oriente plus vers des films qui nous plaisent, nous, déjà à regarder ? Ou est-ce qu'au contraire, Moi, je prends tout. Il y a une sélection, c'est-à-dire du moment où il y a le casting, vous savez quel type de profil est recherché. Si on correspond au profil, là, moi, je postule, oui. Oui, voilà, il faut correspondre. Oui, mais j'imagine que si on cherche une femme d'une vingtaine d'années, vous n'êtes pas trop dans le profil. Mais s'ils prennent quelqu'un, mais je postule même des fois, homme entre 30 et 40 ans, je postule quand même. Au cas où, sur un malentendu. Ça a déjà marché. Après, c'est un petit monde, c'est souvent les mêmes personnes qui font les castings. Je pense à Renaud, qui nous regardera peut-être. Renaud, qui lui s'occupe de tous les castings, pas de tous les films du Grand Est, mais sur une grande partie. Et c'est souvent lui. C'est un petit monde. Et une fois que vous êtes référencé, répertorié, on vous prend plus facilement. Parce que vous avez l'habitude, vous savez qu'il faut être patient. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter à se lancer une première fois pour hésiter. Ben, et puis dans les Vosges, il y a quand même matière. On le voyait tout à l'heure dans le reportage. C'est une terre de tournage, les Vosges, le Grand Est plus largement, mais les Vosges, c'est vrai qu'on voit énormément de tournages. Alors pour la forêt, pour plein de choses, il y a plein d'attraits finalement qui font venir les producteurs ici. Ah oui, il y a eu beaucoup de films tournés, j'ai envie de dire presque ces 5 dernières années. Incroyable. Il y en a eu, en tout cas moi, tous ceux que j'ai faits principalement, ils ont été tournés dans le secteur, ou voilà, éventuellement le 54 pour certains, mais sinon sur le 88. On voit des images de Capitaine Marlowe, là justement, où vous avez tourné un gendarme, c'est bien ça ? Voilà, pendant une semaine, là, j'ai eu l'occasion d'être gendarme dans Capitaine Marlowe. On me voit à plusieurs reprises, mais c'était une très très belle expérience. On voit la réalisatrice. Là, mais franchement, une très belle expérience, oui. Ouais, ça reste des petits moments marquants aussi. Ça reste des moments marquants parce que c'est... Et puis c'est l'ambiance surtout. Mais également. Exactement, c'est l'ambiance, même s'il y a beaucoup d'attentes, comme on dit toujours. Voilà, ça reste un très bon souvenir. Alors Denis, vous avez souhaité vous découvrir un autre environnement que le cinéma, un autre aspect de la télévision, en participant à l'aventure Pékin Express. Ah, ça c'est... Alors c'est c'est pas de la figuration, mais presque, est-ce qu'il n'y a pas un peu de mise en scène dans Pékin Express ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Oh là là. Alors, dites-nous, on voudrait savoir. Non, mais au départ, donc, je venais de vendre mon hôtel-restaurant,
Et je regardais ce programme-là, je me suis inscrit sans savoir qu'on était 35 000 à avoir postulé sur Pékin Express pour qu'il en reste que 8 binômes à la fin. Et donc, bah, j'ai fait les castings, on est 30 000, 15 000, 10 000, 1000, 100, et puis pour, à la fin. Et donc, je l'ai fait deux fois en plus. Et il m'avait rappelé également il y a deux ans pour refaire une troisième émission. Et puis, ça n'a pas abouti, oui. Ça n'a pas réussi, mais... Moi, je me souviens de toi, dans Pékin Express. Non, mais c'est vrai, il était un petit peu comique. Tu voulais tout le temps aller aux toilettes. Si repasser les images, tu voulais tout le temps aller aux toilettes. Les images. Tout le temps, tu t'arrêtais à chaque fois. On va dire oui. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette aventure? Pourquoi vous avez voulu faire cette aventure? C'était un dépassement de soi? C'était quoi? Parce que normalement, quand je vais avec mon épouse, c'est plutôt dans des hôtels confortables. Et moi, j'avais envie de revenir un petit peu pour montrer que j'étais débrouillard en même temps. On veut se prouver quelque chose. On veut se prouver quelque chose. On veut prouver quelque chose. Et puis la rencontre avec les habitants en Afrique, que ça soit. C'était extraordinaire, oui, oui. Et donc, si je peux encore le refaire ou d'autres, parce que moi, mes plus beaux souvenirs, c'est ceux qui vont arriver. D'accord. Voilà. C'est une manière de voir les choses. Hein? Vous avez peut-être raison. Est-ce que c'est en tout cas Pékin Express, est-ce que c'est ce que, à quoi vous vous attendiez quand vous avez postulé? Ah, pas du tout. Parce que je pensais quand les caméras étaient coupées qu'ils allaient nous loger dans des beaux hôtels, enfin des hôtels. Mais pas du tout. Ah, mais non. Mais tout ce qu'on vit, c'est vraiment réel. Et donc, il a envie de le faire même, Clément. Alors, oui. C'est vrai, Clément, c'est quelque chose qui vous intéresserait. Je me suis déjà inscrit au casting. Il me copie complètement. Il faut quelqu'un pour se référer. Oui. J'ai essayé de postuler, ça fait quoi, 2-3 ans. 2-3 ans à Pékin Express, oui. Et alors, du coup, avec un binôme ou seul? Avec un binôme. Avec un binôme, oui. D'accord. Binôme et même seul, j'ai essayé. Et même seul, on sait. Parce que je me suis dit, c'est peut-être le binôme qui ne va pas. Peut-être essayer avec Denis. Oui. Pourquoi? Ah, ouais, il a des entrées déjà. Oui, mais ils ne le veulent plus. Donc voilà, mais c'est un côté de la télévision qui vous intéresse aussi. Voilà, alors, peut-être pas toutes les émissions, mais non. Celle-ci en l'occurrence. Bien sûr, oui. Ouais. Tout ce qui est aventure, j'adore. Alors, et on peut parler de la deuxième, hein, Koh-Lanta, qui a aussi son petit succès. Ah, c'est différent. Différent. C'est pas différent. La mentalité est différente, je trouve. Voilà, oui, tandis que dans Pékin Express, ouais. Quand même, il y a une rencontre avec les habitants. On n'est pas sur le même type d'aventure. Ouais. Hein, être sur une île pendant un mois. Mais enfin, si on me demande pour Koh-Lanta, je fais Koh-Lanta aussi. Hein. Tu ferais tout. Juste pour passer à la télé, finalement. Il est prêt à tout faire. Voilà, on va bientôt être à la fin de notre émission, mais avant de revenir sur la magie, puisqu'on va reparler magie, je vous propose une seconde de petite pause, puisque c'est l'heure de La Vie en Vosges, le quiz. Alors, deux petites questions hein, dans notre quiz, comme chaque semaine. La première, dans quelle catégorie le documentaire de La Panthère des Neiges, de Vincent Munier et de Maria Miguet, a-t-il obtenu un César? Est-ce que c'est le meilleur premier film, la meilleure musique originale ou le meilleur documentaire? Meilleur premier film, meilleure musique originale ou meilleur film documentaire? La Panthère des Neiges. Est-ce que vous l'avez vu, La Panthère des Neiges? Non. Non, mais je crois que c'est meilleur documentaire. Alors, meilleur documentaire pour Clément. Aussi, moi, meilleur documentaire. Vous copiez un peu, là, quand même. Non, je ne copie pas, je donnerai la réponse le prochain coup. En premier. Allez, je vous laisserai donner la réponse après. Donc, nominé, il était nominé dans ces trois catégories. Et c'est bien dans la catégorie du meilleur film documentaire que La Panthère des Neiges a obtenu un César. Une belle reconnaissance hein, pour le Vosgien Vincent Munier et puis Maria Miguet. À savoir que La Panthère des Neiges a connu un véritable succès avec plus de 600 000 entrées il y a quelques jours. Donc, c'est quand même une belle reconnaissance pour le Vosgien. Deuxième question, alors on laissera répondre Denis en premier. Oui. Le film Le Torrent, réalisé par Anne Leni. Alors, est-ce que vous avez tourné dans ce film, messieurs? Non. Oui, alors là, on n'a pas le droit à l'erreur, Clément. Il n'a pas été tourné dans une de ces communes. Est-ce qu'il n'a pas été tourné à Épinal, à Cornimont ou à Gérardmer? Alors, où avez-vous tourné, Clément, déjà, vous? Alors, à côté de Gérardmer. Côté de Gérardmer. Donc déjà, vous éliminerez Gérardmer. Alors Denis, on va vous laisser répondre ce que vous voulez dire. N'a pas été tourné, hein, Il n'a pas été tourné, oui. Ben, il n'a pas été tourné à Épinal. Alors vous diriez Épinal, Clément? Je pense aussi, oui. Alors, Le Torrent a été tourné entre les mois de novembre et décembre 2020 sur une durée de 40 jours, hein, à peu près, intégralement dans le département des Vosges, notamment sur les communes de La Bresse, de Gérardmer, et du Valtin pour les paysages, ouais, et du côté d'Épinal pour les scènes d'intérieur, messieurs. Ah, ouais, pour les scènes d'intérieur. Rien n'a été tourné à Cornimont. D'accord. Donc voilà, Épinal pour les scènes d'intérieur, tout à fait. Ah, donc, avec José Garcia. Voilà, réalisé par Anne Leni. Alors on va revenir, on va terminer l'émission, hein, il nous reste un peu moins de 6 minutes. Denis, les projets là, pour les mois à venir, alors de la magie, des émissions, de la figuration?
Ben, je postule régulièrement. Il n'y a pas de film prévu dans les... J'ai pas de film prévu, malheureusement. Là, j'ai postulé il y a quelques jours pour un film au Luxembourg, oui. Ah, je fais de la publicité un petit peu également pour des... Donc, je postule, parce que là, ça paye mieux encore, la publicité. Ah ben, la publicité, oui. Et puis, c'est beaucoup plus... le temps, ça dure une heure et... Il n'y a pas la patience sur un tournage. C'est pas toute la journée. Après, on peut aller faire des petites courses au Luxembourg. Alors Clément, vous, le prochain événement peut-être d'envergure, le festival de magie. Alors dites-nous quelques mots sur le festival. Alors ça va être la 5e édition du Festival international de magie des Vosges, qui aura lieu à la Rotonde de Taon. 5e édition qui a déjà été reportée celle-ci depuis quelques années malheureusement. Et donc qui aura enfin lieu, donc en effet le 26 mars. Il y a deux séances, 15h, 21h. 15h est déjà complet. 15h, c'est déjà complet. 21h, il reste encore quelques places. Et puis, il y a plusieurs artistes européens qui vont venir se produire sur scène. C'est 2 heures de magie pour toute la famille. On a Nick Takens qui vient des Pays-Bas, un jeune manipulateur. On a les Sos Petrochian qui sont champions du monde en quick change, changement de costume rapide. Exactement. Eric Lee en grande illusion. On va avoir un show de grande illusion. Et Gaëtan Blum qui sera le présentateur de cette soirée. Gwenaël Ardo qui sera une magicienne qui va nous présenter un numéro sur le thème. On voit moins de femmes peut-être dans le monde de la magie. C'est vrai qu'on voit moins de femmes. Donc là, on aura l'occasion d'en voir une le 26 mars. Gaëtan Blum qui sera en présentation. Voilà. Et moi-même qui serai aussi sur scène, bien sûr. Bien évidemment. Et donc, toujours les élèves de l école de magie à l'Entracte qui sont là. Exactement. Pour en école de magie, les petits as vont se produire justement à cette occasion. Pendant l'Entracte, ils vont faire des tours de close-up auprès des spectateurs de ce festival. Donc, on rappelle, on voit quelques images de l'école de magie, justement, un reportage qu'on a fait il y a quelques semaines avec vous. Tout à fait. On voit qu'il y a différents âges, c'est pas uniquement pour les enfants, pas uniquement pour les adultes. Exactement, depuis la création de cette école de magie, il y a 11 ans maintenant que je donne des cours, j'ai des élèves qui ont entre 10 ans et le plus ancien que j'ai eu, c'était 60 ans. Voilà, il n'y a pas d'âge en fait. Il n'y a pas d'âge pour faire de la magie, juste se faire plaisir. Exactement. Bon, on va finir avec 2 tours de magie. Alors, Denis, je vois que vous êtes prêt. Oui. On va peut-être commencer avec vous. Alors, allez-y. En plus de mes talents de figurant, de Pékin Express, de beaucoup de choses, voilà. Je fais de la peinture maintenant. D'accord. C'est joli. Alors, je peins ces petites colombes, là. Et puis après, je mets un petit vernis. C'est joli, non? D'accord. D'accord. Et après, on la rattrape quand même, hein, la petite colombe. D'accord. Donc, vous faites de la peinture récemment, ok. Oh, la petite colombe est mignonne. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une colombe qui sort. Vous auriez dû me prévenir quand même. C'est ça la magie. Et alors, les tours, on les invente soi-même? Est-ce qu'on s'inspire peut-être de tours? Il y a des guides qui nous aident à fabriquer nos tours. Comment ça se passe? Ben, moi, mon maître, c'est David Copperfield, bien sûr. Hein. Mais je crois que c'était Clément, votre maître. Non, c'est pas ça? Non, lui, c'est... C'est l'inverse? Voilà, c'est l'inverse. Eh bien, allez, Clément, pour finir, on termine un avec vous. Un petit tour, allez. Alors, regardez, j'ai ici... un jeu de cartes. Ok. Je montre en même temps la caméra. Toutes les cartes sont bien différentes. Comme ceci. Je vais bien les mélanger. Je ne mélange pas très bien le jeu de cartes. Hop. Bien les mélanger comme ceci. De cette façon. Je vais les remettre dans l'étui et je vais vous demander, Livia, d'imaginer devant vous les 52 cartes. Vous imaginez devant vous que vous avez les 52 cartes. D'accord. Pique, cœur, trèfle, carreau. Ok. Ça marche? Ouais, ça marche. Et vous allez en sélectionner une. Vous avez 52 cartes, vous en sélectionnez une seule. D'accord, ok. C'est bon? Ouais, vous l'avez bon. Dans je l'ai votre bien tête en tête, ouais. Ok. Je vais simplement ressortir les cartes que je viens de mélanger sous vos yeux. Ouais. Je vais vous demander de nous dire à voix haute quelle carte vous pensez, à quelle carte vous pensez. D'accord, à l'as de pique. L'as de pique. Ce qui est intéressant, c'est si on regarde maintenant, toutes les cartes sont blanches. Toutes. Sauf une qui est retournée, une seule. Et si on regarde, on a exactement l'as de pique. On va vite tous aller le voir le 26 mars. Il faut venir le 26 mars. C'est ça, il faut venir le 26 mars. Moi, ce qui me... Ouais, Est-ce qu'on veut savoir comment c'est fait? C'est souvent un petit peu ça la question. Est-ce qu'on on se laisse vivre? Vous savez garder un secret? Vous aussi. Exactement. Nous aussi. Bon, bah, écoutez, le 26 mars, en tout cas, donc à la Rotonde de Taon-les-Vosges. Et ce week-end aussi, vous serez donc. Ce week-end, je serai à 15h à la Rotonde de Taon. Il y a un spectacle qui est organisé par la municipalité de Taon-les-Vosges, dont les dons, le spectacle est gratuit. Il y aura plusieurs artistes sur scène. Et les dons, les personnes pourront donner ce qu'ils veulent. Ça va revenir justement pour les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens, donc voilà. Donc ce week-end à la Rotonde. Et puis le week-end prochain également, le samedi. Pensez à réserver
réserver ses places rapidement puisque le spectacle de 15h est déjà complet, on le rappelle. Merci beaucoup messieurs d'être venus sur notre plateau. Notre émission est terminée. Merci à toute l'équipe pour la réalisation. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro et je vous dis à très bientôt.